Hey yo les potos, c'est Skizo officiel. Aujourd'hui, les gars, on se trouve dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment avoir de l'argent quand on est débutant. Quand on débute sur GTA, comment avoir de l'argent facilement. Donc, vous allez commencer par braquer une supérette. Donc, comme dans la vidéo, enfin, moi dans la vidéo, je vais pas braquer de supérette vu que j'en ai déjà braqué une. Donc, à chaque fois, je vais revenir dans la même supérette, dans la même supérette. Je vous montre. On va en braquer une autre qui est juste à côté en plus. C'est bien. Bon. Oh, laisse tomber. Je te montrerai après, t'inquiète. Laisse-moi faire la vidéo puis je t'en envoie. Enfin, puis je te dis c'est quoi. Donc là, les abonnés, on va aller dans une autre supérette. Une fois dans une autre supérette, donc on voit bien l'autre supérette, vu que je l'ai braquée, elle n'affiche plus les messages. Enfin, là, on la voit plus sur la map. Je vais tout simplement rentrer dans celle-ci, prendre mon arme, l'évier. La technique, c'est si même vous êtes débutant, les gars, l'Esther, c'est pas cher. Butez-les vous-même. Parce que le DJ, il avait un pompe, donc je sais qu'il va faire son coup de pute. Voilà, bon. Moi, du coup, les abonnés, je vais directement appeler l'Esther. Une fois que vous aurez appelé l'Esther, comme moi dans la vidéo Lester, vous une fois que vous aurez appelé Lester, vous allez devoir rebraquer la supérette. Donc Lester, c'est 600 euros, tout dépend de votre étoile, de nombre d'étoiles que vous avez. Vous allez simplement faire un aller-retour, donc comme ça, avec votre véhicule, moto ou ce que ça va en véhicule. Donc on va faire ça, donc deux allers-retours. Une fois que vous aurez fait ça, et retournez dans la même supérette où vous avez été. Pas la supérette là où vous avez été. Une fois que vous retournez dessus, vous allez voir que vous êtes tout simplement voir la caisse. J'avais tiré dessus, rappelez-vous. Donc je tire dessus, l'argent est là. Je me fais 78. Plus vous allez vous faire tout le temps la même supérette, puis votre argent va augmenter. Bon, c'est peu, j'avoue que voilà, c'est pas ouf ouf, mais pour débuter, si par exemple il vous manque, allez, 1000 $, et ben avec cette petite manipulation, vous les faites tranquillement les poteaux. Donc tac, on l'a refait pour vous montrer. Donc, voilà. Et après on passe à la deuxième technique. Donc je retire sur la caisse 62, donc on voit bien l'argent varie. Donc pour moi ça changera rien, mais pour d'autres personnes ça pourrait faire la différence, sachant que voilà. Puis on a, bon, moi les gars je saurais pas vous le montrer, mais on a un véhicule à 3 € matin qui spawn à côté de la porte à 400 000. Donc on va, j'espère que j'aurai le temps. Et ben non, vu que du coup les gars des PNJ font n'importe quoi, je ne pourrais pas. On dirait trop les voix des personnes qui font du fake. Donc là les potos, une fois que vous serez rendu au même endroit que moi, voilà, je sais pas conduire, c'est pas nouveau, vous allez tout simplement faire le même chemin que moi dans la vidéo les gars. Le véhicule, vous pouvez le vendre 14 000, vous pouvez le vendre bien sûr 14 000 $ les poteaux. 14 000 $, c'est déjà ça. Donc vous allez faire le tour comme ça. C'est une sentinelle les poteaux qui va spawn, et ça peut être un véhicule gratuit parce qu'il est déjà custom les poteaux. Donc voilà.
Donc, une fois que les gars, vous verrez le véhicule spawn. Par exemple, moi, il a spawn. Là, tac. C'est le petit véhicule là. Donc, vous pouvez l'avoir en jaune, en violet. C'est deux seuls. C'est les deux seules couleurs que vous pouvez avoir de ce véhicule. Demain, en live, je vous montrerai qu'on peut tout simplement la vendre à 14 000 au lieu de... Voilà. Sauf que demain, les gars, je la vendrai pas. Je vais attendre 4 jours. Parce que demain, les gars, je vais vendre un plus gros véhicule. Mais ça, c'est pas très important. Vous allez la mettre tout simplement dans un garage, n'importe lequel. Donc moi, personnellement, je le mets dans un garage. Oups. Une fois dans le garage que vous avez placé, le véhicule vous appartient. Si vous le faites péter, vous pouvez rappeler la mutuelle mort. Deuxième manipulation, les potos. Bon, moi, je ne saurais pas vous le montrer parce que j'ai pas ce qu'il faut. C'est, il vous faut l'appart à 400 000, le Eclipse Penthouse 3. Vous allez acheter la même maison que je vous montrais et vous allez vous faire un bonus de 500 000 dollars. Donc je vais bien vous montrer aussi qu'on peut la faire ressortir. Donc, on la ressort comme ça, on voit bien qu'elle est à moi. Tac, je vais descendre du véhicule. Le véhicule est bien à moi. Donc vous allez acheter le même appartement que moi tout en revendant votre Eclipse Penthouse 3. Voilà. Donc, faudra acheter cette petite maison. Puis ça, elle est pas mal, les gars. Elle a une petite piscine et tout. La même maison que Jean-Kevin. C'est pas important. Une fois que vous l'aurez acheté, vous allez simplement retirer l'appart à 400 000, donc l'Eclipse Penthouse 3 à 556 000. Si ça vous met 200 000, les potos, vous pourrez pas le revendre parce que ça va vous user votre argent. Donc voilà. C'était la troisième manipulation. On passe à la quatrième et dernière manipulation. Pour les gars, la quatrième et dernière manipulation, il faudra tout simplement un ami. Donc Miguel, tu voudras bien m'aider ou pas? Allô? Tu veux bien m'aider? C'est juste pour le glitch. Donc les poteaux, il faudra tout simplement cette activité que je vais vous montrer à l'écran. Là, Peter, c'est Griffins. Si vous l'avez pas, demandez à un pote à vous ou ajoutez-moi, je vous en ferai sans problème, les poteaux. Donc c'est dans les captures, c'est Peter the Griffin. Une fois que vous l'aurez lancé, vous allez tout simplement avoir besoin d'un élastique pour bloquer votre joystick de droite. Donc, Miguel, t'as un élastique? Miguel? Bon, si votre pote, les gars, n'a pas d'élastique, c'est pas grave. Bah, moi, il parle pas. Donc il faut tout simplement être en session invitation, les gars, pour la lancer. Une fois en session invitation, on va lancer la Peter's Griffins AFK. J'invite mon pote. Donc voilà. Bien sûr, je vais quitter. Et une fois que vous aurez lancé, une fois que vous aurez invité votre ami, il faudra tout simplement bloquer votre joystick. Faudra, pour avoir, les gars, l'argent, faudra tout simplement avoir la roulette pour gagner l'RP et l'argent. Donc c'est pour augmenter votre argent et votre RP. Bien sûr, elle est disponible sur Xbox. Bien sûr, les potos. Donc bon, moi j'attends juste que mon ami rejoigne. Donc moi, les abonnés, je saurais pas vous montrer dans la vidéo parce que mon ami est occupé. Donc je vous ferai ça tout à l'heure.
Donc, une fois que j'aurai lancé la Peters Griffins, faudra que vous soyez dans la roulette pour pouvoir gagner l'argent. Et l'RP. Votre pote qui ne sera pas dans la roulette devra rester AFK. D'où, il faut avoir obligatoirement un élastique pour... Je pourrais cacher. Ok, c'est pas grave. J'ai pas, mais c'est pas grave. Donc, simplement, faudra que vous soyez simplement en... dans la roulette. Si vous n'êtes pas dans la roulette, vous récupérez rien du tout. Vous devez laisser votre pote gagner juste avant que soyez-vous dans la roulette. Si c'est vous dans la roulette, votre pote doit rien faire à part laisser son joystick, enfin laisser son joystick de droite bloqué vers le haut à gauche. Comme ça, sa caméra va tourner. Voilà. Faudra. Oui, donc les abonnés, là je saurai vous montrer la manipulation pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc vous lancez le Peters Griffins. Donc c'est moi par exemple, c'est dans mes favoris. Si vous n'avez pas le Peters Griffins, les potos, je vous laisse. Tu peux pas rejoindre. Ouais, mais je m'en fous, là je suis en train de faire mes vidéos, donc cool. Donc, les abonnés, là ce que vous allez faire, c'est tout simplement avoir un ami. Bon, moi je vais attendre que mon ami se connecte. Donc voilà, on n'a plus qu'à attendre. Puis, mon ami rejoindra. Donc tu me diras quand ton chargement est fini. Non, je comprends rien au montage. Donc voilà, les abonnés. Bon, moi j'espère que la vidéo va. Non, pas lui, non, pas lui, pas lui. Non, tu l'invites pas. M'en bats les couilles, tu l'invites, je quitte. Voilà. Bah, ciao. Ciao. Donc, les abonnés, là il faudra juste un ami. Bon, moi j'attends juste que mon ami soit prêt. Donc, j'espère que ma vidéo va pas durer. J'espère que ma vidéo va pas durer 20 minutes parce que je pèterai un plomb. Enfin, va pas durer 30 minutes, 40 minutes, 50 minutes parce que je pèterai un plomb. Je suis pas à la salle. Donc voilà. On n'a plus qu'à attendre que. Donc là, moi les gars, j'attends mon avis. Donc je vous explique un peu la base parce que j'ai parlé un peu trop vite. Donc, quand vous serez dans le Peters Griffins avec votre ami, si vous, dans votre cas, vous êtes dans la roulette et que votre ami ne l'est pas, faudra juste qu'il bloque son joystick. Il faut que votre joystick soit bloqué à l'infini, les potos. Pourquoi? Tout d'abord, pour commencer, il faut être en session invitation avec votre ami ou tout seul. Ça change rien. Vous êtes tout simplement lancé le Peters Griffins. Une fois le Peters Griffins lancé, les potos. Si vous, de votre côté, vous êtes dans la roulette, vous devez quand même bloquer votre joystick tout le temps. Pourquoi? Parce qu'il y a 999 manches. Et si vous bloquez votre joystick, ça va faire comme si le jeu reconnaîtrait que vous bougez. Donc, du coup, ce qui permettra de ne pas vous faire exclure. Donc, faudra tout simplement faire les poteaux. Donc... lancer son... Attendez les potes. Donc les potos, faudra tout simplement... Voilà, une fois que dans le Peters Griffins, si vous êtes dans la roulette, le joystick bloqué bien sûr, à l'infini, vous aurez plus, ce sera à votre tour, une fois que vous serez dans la roulette, de pouvoir avoir l'argent et l'RP. Donc là, j'attends que mon ami soit connecté. Et si votre pote, lui, n'est pas dans la roulette, son joystick bloqué aussi, vers le haut à gauche, donc votre joystick de droite vers le haut à gauche devra être bloqué. Donc votre joystick de droite va être bloqué vers le haut à gauche avec un élastique. Une fois qu'il sera bloqué, votre joystick de droite bloqué vers le haut à gauche, vous n'aurez plus qu'à lancer l'activité. Et
si votre pote dans la roulette, vous faites rien. Et si c'est le cas inverse, votre pote ne fait rien tant que vous, vous êtes dans la roulette. Si votre pote n'est pas de confiance, mon pseudo sera dans la description, les gars. Vous aurez juste à m'ajouter. Donc, tout simplement, mon ami, j'espère qu'il est connecté. Est-ce que t'as fait spawn en online? Est-ce que t'as fait spawn en online? Il faut faire spawn en mode histoire. Donc les potos, je vous ferai ça dans une deuxième vidéo parce que j'ai pas envie que cette vidéo là dure trop longtemps pour vous. Donc on se retrouvera dans la deuxième partie dans à peine. Quand mon pote sera spawn, je vous invite, je ferai la deuxième partie. Allez. Ciao, portez-vous bien. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Allez, peace.